Ina.fr. Excusez-moi. Putain, merde. Jacques, mais viens, non, putain. Non, non, non. T'es en train de me foutre en l'air dans l'émission, tu fais chier, non, tu non, vois. Non, non, arrête, tu te Mais pourquoi tu te casses comme ça, tu me fous en l'air dans l'émission, mais moi. Dis-toi, mais t'es l'invité, mon pote. Non, mais c'est des questions, c'est vraiment, c'est terrible, mais quoi. Mais tu me connais, tu sais bien que je pose des enfin, questions. Enfin, en plus, hard. Je viens en copain, et puis d'un seul coup, c'est un piège. Écoute, on dirait que t'as jamais vu mes émissions, merde. Non, mais pour les autres, oui, mais c'est différent, je suis quand même, je sais pas, on est sur la même chaîne. Sur la même chaîne, en fait, tu me connais. On tape sur les autres, mais enfin là, je suis en copain. Quoi, qu'est-ce que je m'excuse? Ok. Je m'excuse. Ouais, alors gentiment. Bah ok, je te prie de m'excuser. Non, 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 pas comme ça, ça c'est joué. Je veux. Je te prie. Non, non, simplement, comme tu le ferais un soir où tu rentrais très tard. Et où tu dis à ta femme, j'ai été retenu par la télévision. J'ai été retenu par la télévision. Excuse-moi. Voilà. Avoue quand même que t'es pas facile à vivre. Ben, c'est normal, hein. Sinon, je. J'aurais fait un autre métier. C'est pour ça que tu as été marié trois fois? Non, 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 c'est pas à cause de ça que j'ai été marié trois fois. C'est elles qui n'ont pas eu la patience. Mmh. Tu as dit les femmes sont nos plus tendres ennemis. Ah oui. C'est vrai? Ce sont nos tendres ennemis. Ouais. Tu n'as pas d'expérience? Bah, j'ai souffert, oui, mais enfin... Oui, tu veux que je te montre mes blessures, moi? Hein, tiens, regarde, Françoise, ici. Ouais. Alicia, dans le dos, regarde. Quelle horreur. Eh oui, tu sais, moi, je vais te dire, je suis un ancien combattant. Ouais. T'as l'air d'avoir beaucoup souffert, quand même. Hein. Oui, ça se voit. Hein. Et en ce qui concerne ton précédent divorce, tu as dit, le temps passe, mais je ne pardonne pas. Oui, il y a quelques fois, je ne pardonne pas. Ouais. Là, t'as pas Lequel pardonné. Était-ce? Celui d'avant, là, enfin, ton dernier divorce, ta dernière séparation. Oui, oui. T'as dit, le temps passe, mais je ne pardonne Écoute, pas. Écoute, on en fait tout un plat, mais enfin, je me suis marié deux fois. Ouais. C'est le moindre mal. Et Céline, tu vas l'épouser? Ça, c'est mon petit jardin. Ah. C'est vrai que tu l'as rencontré sur le plateau du Monde est à vous? Oui. Ça s'est passé comment? Bon, le plus simplement du monde. Ouais. Comme on s'est rencontrés sur un plateau un jour. Tous les deux? Oui. Ouais. Enfin, on a bien fait de pas se marier. Oui, tu vois, on ne sait pas comment ça se serait terminé compte tenu de ce qui se passe ce soir. Ouais. Dis-moi, tu as dit Céline m'a réconcilié avec les femmes. Alors, c'est vrai, oui, c'est parce fini? Qu'elle est. Bon, c'est bien. Parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses que je n'avais jamais eues. Tu dis ça à chaque fois, moi. Non, mais non, à chaque fois, c'est différent. Vous allez Et puis chaque fois, je vais finir par passer pour Barclay. Non, t'es pas Barclay. Non, deux femmes. Ah, j'aimerais bien. Tu les revois, tes ex? Oui. Lève-nous, par exemple, tu la revois. Bah, elle est incontournable. Oui, tu viens, on la rencontre partout. Est-ce que tu veux aller au salon du divorce? Oui, ça m'amusera, j'en ferai même un sketch. Eh ben, regarde, le salon du